Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. L'Olympico est très important dans la riche histoire de la Roma qui évolue dans ce stade depuis 1953. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraîneurs peuvent tenter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur. C'est un peu comme une répétition générale. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. L'AS Roma contre Fenerbahçe. Il a de l'espace. El Shaarawy. La tête. Quel but de la Roma. Oh, la Roma qui ouvre le score. Ils ont perdu le ballon dans une zone très dangereuse. Et derrière, c'est allé très vite. C'est une punition express. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Non, c'est récupéré. Faut tirer là. Une autre chance. Il rate le cadre. C'est bien fait, il y a vraiment cru, mais il manque de réussite. Ça joue long, bien joué dans l'espace. Tadic, il a de l'espace. Le drapeau s'est levé hors jeu. Bien vu, c'est intercepté. Oui, très bonne anticipation. Cette attaque n'a pas pu se développer. Dans la profondeur. La passe dans la profondeur. C'est bien fait. Allez, jusqu'au bout. Oh, il faut frapper. Oh, l'occasion. Tadic. Il est là, à la réception. Il tire. Quel but! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Quelle transition formidable! Dès qu'ils ont récupéré le ballon, c'est vraiment allé très vite. Bravo! Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Ouais, c'est bien ça. Il est tout seul. Centre à rate, ça peut faire mal. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero.
coup de sifflet, fin de la première mi-temps. On avait une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. 2 à 0, c'est une avance déjà confortable. La seconde période, c'est parti. Le ballon dans la profondeur. Le bon dribble. Tadic. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Va-t-il en profiter? Sur la gauche. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Ça peut être dangereux. Ah, ça n'ira pas au bout. Il y avait mieux à faire, là. Le contre était super bien amorcé. Ça avait suivi. Dommage. Bien, la profondeur. L'interception, bien joué. Oui, il a bien anticipé. Il avait bien lu cette passe. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Un grand dégagement le plus loin possible. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir. Sostituzione. Mancini. La qualité du marquage est à souligner quand même. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins ils essayent. Oh, sur ce tacle, aucun doute, pénalty. Oui, pour moi, il y a clairement eu contact dans la surface. Mais je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. C'est pas vrai, quelle occasion! Mais quel gâchis, ce sont des occasions en or qu'il ne faut absolument pas laisser passer. Oh, voici Lukaku. Il y va. Fred. Il tente de la jouer dans l'espace. Quel timing dans l'interception. C'est joué dans l'espace. Dybala. Il est passé. Dybala. À côté. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Cambio di giocatori. Et on va assister à un changement. Et ce ballon sur l'aile. Et le bon dégagement. Il a stoppé l'attaque adverse. Passe en profondeur. Ah, non, dommage. Fred. Ci saranno 3 minuti di recupero. C'est joué dans la profondeur. La passe dans l'axe. L'interception, bien joué. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Bon, ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés et l'entraîneur, regardez, est bien sûr fou de joie, il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu. Paolo Dybala, qui a été désigné homme du match, et c'est loin d'être usurpé. Alors dites-moi, Darren, qu'avez-vous pensé de ce match? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe, et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. Merci Darren de nous avoir éclairés tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous, à très vite. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez.